Un sujet qui m'a été demandé dernièrement, c'était déjà de traiter sur des stars de notre temps, c'est-à-dire des stars du 21e siècle, ou même qui auraient peut-être commencé en fin de 20e siècle. Entre les années 90 et 2000, je vous avoue, personnellement, je n'ai pas tant suivi le cyclisme que ça, ou du moins, je n'ai pas assez rattrapé, puisque forcément, étant né en 2002, c'est forcément plus compliqué de suivre le cyclisme des années 90. Ce qui fait que pour moi, il y aurait eu besoin donc d'un petit rattrapage, que je n'ai pas fait, parce que je considère que cette époque-là n'en vaut pas tant le coup que ça, ou du moins si je m'y mets, ça sera vraiment sur des courses spécifiques, parce que je considère que sur le Tour de France, malheureusement, je suis pas un grand fan des rouleurs, notamment de ceux qui détruisent les Tours de France sur des grands contre-la-montre. Suivez mon regard, c'est vrai que je n'ai pas trop apprécié finalement cette fin de Tour de France 2023, notamment parce que Vingegaard et Pogacar nous ont fini le spectacle sur un contre-la-montre, et même le fait que Vingegaard mette quasiment 2 minutes en fait à tout le peloton, je vous avoue que ça m'a un peu brisé le moral. Nous passons donc sur un coureur pour le coup qui en termes de qualité de rouleur est absolument en deçà de ce que nous parlions juste avant. Eh bien nous allons parler de Thomas Vauclair aujourd'hui. Finalement nous allons faire un petit parallèle avec un coureur qui est détesté par tout le monde et à juste titre. Nous allons parler donc de Thomas Vauclair et de Lance Armstrong. Et en fait c'est assez marrant parce que dans un certain sens ce sont deux personnes qui ont eu une enfance très très compliqué. Armstrong, si jamais vous ne saviez pas, en fait, il est né d'un père biologique qu'il ne connaîtra pas. Et en fait, Armstrong, c'est le nom de son beau-père. Beau-père avec qui il n'a jamais eu de très bons rapports, on va dire, en grossissant le trait, parce que tout simplement, son beau-père le battait. Donc on peut comprendre que ça se passe mal. Il était alcoolique aussi, soit dit en passant, et battait aussi sa mère, donc la mère de Lance. Ce qui fait que forcément, on peut comprendre qu'il y en ait un qui le déteste. Ils ont vécu donc sous le même toit jusqu'à, je crois, l'âge de 12 ans pour Armstrong, et en fait ça coïncide finalement avec le même âge pour Thomas Vauclair auquel il a perdu son père. C'est pour ça que je préfère prendre non pas forcément des grandes pincettes mais au moins faire des petits parallèles à droite à gauche. Et pourquoi je veux donner ce parallèle là en fait, tout simplement parce que ce sont les mêmes profils de coureurs. Et le prime donc de Lens, on va dire air dopage, ça a coïncidé finalement avec l'avènement de Thomas Vauclair et l'avènement populaire en fait de Thomas Vauclair, puisque son année 2004, c'est le tout début donc de sa carrière en termes de grand prime, on va dire. Parce que finalement, le moment où il prend le maillot jaune, ce n'est pas forcément le moment où il a les meilleures jambes. Et c'est ça qui est assez fou. Et le fait que ça soit un coureur qui soit humain, ça a forcément grossi le trait en disant « Ce coureur est champion de France, déjà à la surprise générale parce qu'il n'aurait jamais dû l'être, étant équipier notamment de Sylvain Chavanel à l'époque, eh bien ça nous a donné un coureur qui était avenant et en même temps qui était facile à aimer. Et c'est pour ça que le public français qui a souvent été assez dur notamment avec les Français, même, enfin vous me direz, assez conciliant quand même sur l'affaire Virenque, on va rester quand même assez tranquille là-dessus, eh bien Thomas Vauclair a su se mettre le public français dans la poche en gardant le maillot jaune assez longtemps, notamment en résistant à Armstrong dans les Pyrénées. C'est vraiment son exploit au final. Il finit donc 18e, lâche le maillot blanc au terme d'ailleurs de ce chrono final. Et c'est pour ça d'ailleurs que, entre autres, on peut faire notamment ce parallèle. Le fait qu'en fait Armstrong notamment se prend 7 minutes sur le chrono qui participe, je crois en 95 si je me trompe pas, face à Indurain. D'ailleurs il se fait rattraper par Indurain, juste pour montrer un petit peu l'humiliation quoi. C'est très compliqué en fait de comparer en fait un Armstrong après dopage et avant dopage. C'est pour ça que je prends un petit peu dans son sens général. Mais vraiment oui, pour le coup, autant on peut, on va dire, apprécier le fait que sa prise d'otage en fait du cyclisme et amener notamment des sponsors tout ça, que finalement la forme en tant que telle, du fait qu'il ait notamment brisé des carrières et même forcé en fait certains coureurs random même à se doper, peut laisser vraiment dubitatif en fait sur les valeurs morales à juste titre. Et je comprendrais totalement les gens qui viendraient à dire que prendre une comparaison entre l'un et l'autre, eh bien c'est compliqué. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en fait il faudrait amener Thomas Vauclair comme étant l'anti-Armstrong finalement sur sa période dopage. Mais par contre, dans les qualités pures, ce sont exactement les mêmes. C'est-à-dire, dans la période hors dopage de Armstrong, sur ses qualités, c'est un baroudeur et un puncher, ce sont exactement les mêmes profils. Et c'est pour ça, vraiment, que je préfère vraiment comparer les deux coureurs. Là-dessus, ils ont une enfance difficile. Et derrière, on se retrouve avec des gens qui vont faire des choix. Et les choix, notamment, donc, de Lance, vont s'avérer, notamment, particulièrement scandaleux. Parce que il a quand même pris en otage son pays, hein, soit dit en passant, en voulant, notamment, ramener des sponsors dans le sport, à bon ou mauvais titre. Je vous avoue que
ramener Nike dans le sport, c'est bien. Mais par contre, on peut voir aussi aujourd'hui où on a notamment l'arrivée d'énormément d'investisseurs. On va dire avec l'UAE, la Jumbo qui derrière va devenir un sponsor qatari, si je me trompe pas, d'ici l'horizon 2024. Du moins, c'était en rumeur. Il y a de plus en plus de budget. Et ça, c'est pas forcément bon signe parce que c'est l'arrivée, en fait, des grandes dérives. Notamment, si vous saviez pas, dans les années 2010, il y avait un agent qui proposait aux coureurs, on va dire, un tout plein, c'est-à-dire avec évasion fiscale et en même temps dopage. Et ça, c'est quelque chose qui est vérifié, vérifiable. Je vous invite à lire le livre de fin de cycle de Pierre Ballester. Il explique vraiment à la lettre tout ce qui se passe. Et ce sont des dérives qui n'ont pas été contrôlées par l'UCI à temps. Au terme du temps, il a été aussi insufflé par des mecs comme Thomas Vauclair qui ont permis au cyclisme de voir un autre style de coureur parti à l'avant, notamment dans les échappées, histoire d'exister finalement. On va dire que ça paraît assez cocasse en fait, parce que ce sont des coureurs qui auraient notamment peut-être les qualités, si elles étaient boostées, pour vraiment exister en montagne. C'est pour ça que vraiment j'ai aucun regret finalement quand je regarde la carte de Thomas Vauclair. Il y a eu notamment beaucoup de chutes, beaucoup de fractures de la clavicule, des choses comme ça. C'est pour ça d'ailleurs que vous verrez un Thomas Vauclair en fin de carrière qui traîne souvent en queue de peloton, parce que vraiment il refuse de frotter, il passe des relais notamment en tête de peloton. Il va vraiment le faire notamment dans les Champs-Élysées. Je m'en souviens en 2016, il l'avait fait vraiment quand tu rentrais dans les Champs-Élysées, il faisait un tour à fond et d'ailleurs tu le retrouvais donc en queue de peloton, et donc il se relevait à ne pas se retrouver dans les chutes. Il pouvait se retrouver surtout lâché, bon, si jamais il y avait des chutes, des ennuis mécaniques, il scindait le peloton en deux. Mais bon, c'était quelque chose qu'il voulait, qu'il avait de son souhait. Il n'y a seulement qu'en 2011 finalement qu'il n'a pas fait cette tactique là, puisque c'est le moment où il a été donc en jaune à partir de l'étape d'Histoire Saint-Flour, donc je crois la 11e étape si je ne me trompe pas, où il passe donc 10 jours en jaune. Et c'est le moment en fait entre 2009, 2010, 2011 et 2012, donc là ça a été le prime de sa carrière, dans le sens que c'est vraiment les moments où il a sorti ses plus grandes stats, le moment donc il fait donc 4e Tour de France, il aura de grands remords à la suite de ça, et aussi il fera donc 10e d'ailleurs de ce Dauphiné 2011, vraiment pour montrer au niveau de ses chiffres là. Donc il a été, je crois, flashé à 407 fois d'étalon si je me trompe pas dans une des dernières ascensions du Dauphiné. C'est vraiment pour dire le mec est au prime de sa carrière, et vous d'ailleurs vous ne le reverrez jamais faire d'aussi grosses stats au niveau donc de ses courses. C'est pour ça vraiment que moi personnellement j'ai un grand respect pour Thomas Vauclair au niveau de ses performances, parce que c'est vraiment un gars qui n'a jamais triché, on va dire. Alors je prends avec de grandes pincettes bien sûr, dans le sens que ça se trouve il nous a vraiment caché une partie de sa carrière, notamment dans le sens qu'il a aussi subi une partie au niveau de la, pas au niveau de la Bonjour si je me trompe pas, il n'y a pas eu de cas de dopage avéré, mais en 2001 il y a eu notamment le Blitz, donc qui a été une grosse descente de police pardon, durant quasiment la totalité du Giro 2001, avec notamment des arrestations à droite à gauche, avec notamment Oscar Gatti qui a été le triple vainqueur du Tour d'Italie sur les années précédentes, qui a été arrêté et sommé de se retirer de la course à cause notamment peut-être de contrôle positif, et aussi du fait qu'ils ont attrapé des produits dopants dans ses affaires au niveau de son hôtel. Et c'est pour ça notamment que vous allez avoir des grèves en tout genre, vraiment il y a eu des vols de vélos notamment aux côtés de la Bonjour, et Thomas Vauclair qui d'ailleurs sera vraiment le seul coureur de la Bonjour à terminer ce Tour d'Italie là, vraiment va avoir de très mauvais souvenirs de ce tour, va d'ailleurs finir à l'avant-dernière place en réussissant vraiment à sortir en échappée à la dernière étape. C'est juste pour dire vraiment qu'il en a chié jusqu'au bout, et d'ailleurs il finira sur ce Giro avec un vélo trop grand. Je pense que c'est la pire période de sa carrière, et pourtant vraiment vous me direz en 2008, donc il va consulter à ce qui paraît, enfin du moins au niveau des archives sur les affaires de dopage, un médecin donc qui avait participé notamment au Blitz. Là, son nom avait été donné dans une des listes du Blitz. C'est pour ça qu'il y a eu quelques tout petits doutes, dans le sens que c'est quand même assez bizarre que ça arrive en 2008, au moment vraiment où il commence vraiment à gagner en fait au niveau du Tour de France, et ça c'est quand même assez dommage. Mais bon, au final il avait eu un indice de soupçon de dopage, son passeport biologique était vraiment évalué à 0%, dans le sens que vraiment il n'y avait aucun doute sur le fait qu'il ne consommait pas de produits illicites. Ses performances étaient vraiment dans la juste lignée vraiment de ce qui était possible au niveau de ses qualités pures. Pour conclure, Thomas Vauclair a été l'anti-Armstrong, dans le sens qu'il a été vraiment le mec qui a servi vraiment le cyclisme, et surtout le cyclisme français. Quand on voit notamment la fournée de New Gen qui est sortie derrière, vous pouvez voir notamment des mecs comme Julien Alaphilippe, vous pouvez voir notamment des Brian Cocard, des types comme ça, ont côtoyé Thomas Vauclair, que ce soit pendant carrière pour Brian, que ce soit derrière aussi pour Julien Alaphilippe, quand Thomas est toujours entraîneur donc de l'équipe de France. Et c'est pour ça vraiment que je pense que ce sont des gens qui ont toujours eu une très bonne image donc de Thomas Vauclair, même si d'ailleurs il a pas forcément une très très bonne image au fond dans le peloton, même français d'ailleurs, parce que c'est quelqu'un qui a un mauvais caractère, notamment, enfin vous avez pu le voir avec ses grandes grimaces en échappée, tout ça. C'était quelqu'un qui avait tendance notamment à en garder sous la pédale, et c'était
pas quelque chose d'apprécié dans le peloton français et même dans le peloton international. Quoi de plus beau finalement que de voir une personne qui a servi vraiment le panache français? Si jamais je pouvais commencer à écrire une prochaine vidéo notamment sur le panache français, vraiment je pense qu'on pourrait se dire, non pas forcément la semaine prochaine parce que pour le coup ça peut être quelque chose qui va nous demander vraiment d'aller puiser peut-être un top 5 au moins sur les coureurs qui ont gagné au panache. Il va y avoir du monde là pour le coup, je peux vous dire qu'il va y avoir du monde. Il pourrait y avoir, alors le panache français, ça dépend si vous pensez à la résilience aussi. On pourra peut-être citer notamment René Vietto, des mecs comme ça, des types qui vraiment ont été capables de se relever et de refaire le chemin inverse en montée pour aller récupérer Antonin Magne qui lui avait crevé juste avant, lui donner son vélo et attendre en fait la dépanneuse pour repartir. Donc c'est quelqu'un qui vraiment avait les jambes pour gagner le Tour de France, mais qui a été au service de son leader jusqu'au bout et qui était d'ailleurs la coqueluche du peloton, comme Thomas Vauclair. Bon, je reprends la outro à la fin parce que j'ai remarqué que c'était pas terrible, mais en tout cas n'hésitez surtout pas à vous abonner, parler autour de vous, tout ça c'est vraiment le plus important pour le développement d'une chaîne YouTube. Donc on se laisse là-dessus et je vous dis à une prochaine. Bye bye les amis.